Attends, je vais te trouver une image, tu vas me dire, ah bah oui! Merde! Gueule de bois! On se réveille, on a mal à la tête! C'est lui l'alcoolique! Ah l'alcoolique! Coach Bud? Ouais, il s'appelle Bud en plus, non mais. Terrible! Oh, j'ai gueulé! Mais j'ai gueulé! Mais je t'ai entendu, tu m'as entendu sur la place? Ouais, c'est normal. Pourquoi t'as gueulé? Mais parce que les Boston Celtics, mon chaton. Ah oui, ils ont trop mal joué. Et les gens, ils étaient là, Jason Tatum, sa blessure, c'est dommage. J'ai essayé de leur expliquer que ça n'avait aucun sens. Par contre, c'est dommage qu'il se fasse mal, on a pas envie de. Il se fait pas mal, il se fait mal dans sa tête. Mais bien sûr, il se fait mal dans sa tête. Je vous rappelle, Basil Boli 93 avec l'OM. Il se prend un petit coup de la part de... Je sais plus qui. C'est quoi, c'est Bastoni qui lui met un coup. Bastoni, il mesure 1m55, chaton. Basil Boli fait 2 mètres. C'est un grand blec, un grand noir. C'est un mur. Et il se prend une petite béquille de la part d'un Italien d'1m55. Basil Boli, il se roule par terre. Il est là, oh non, oh non, j'ai mal, je vais mourir. Ma game est finie. Mais c'est pas ça. Physiquement, il était tout à fait bien. Et Bernard Tapie, il comprend. Bernard Tapie, il est là. Mais c'est juste psychologiquement qu'il allait pas bien, Basil, à ce moment-là. Il avait pas envie de revivre ce qu'il avait déjà vécu il y a 2 ans, à Bari, quand ils avaient perdu, justement, déjà contre le Milan. Donc, c'est juste quelque chose de psychologique. Il a extrapolé sa blessure pour se trouver une excuse pour pas continuer le match. Et Bernard, il a fait « Non, 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 non !» Alors qu'il y avait son entraîneur qui voulait le sortir, Bernard Tapie était dans les tribunes et il a appelé son coach. Il a fait « Si tu sors Basile, je te tue !» Véridique tout ce que je te dis. C'est dans le reportage « L'histoire d'un but » sur YouTube. Super truc, super. C'est vraiment un peu une bible de comment ça se passe, comment ça a pu se passer dans une certaine époque par rapport aux victoires des clubs professionnels français. Mon chat, mais je ne regarde plus le chat. Mais non, mais moi ça ne m'intéresse plus, ils disent que des bêtises sur Jason. Mais oui, mais si les gens... Ah. Mais non, mais là... Tu... Allez, viens. Contre l'étoile rouge, ouais. Allez, chaton, relance la machine. Comment ça? Quelle machine? Parler du lave-vaisselle, il a bien marché le lave-vaisselle. Jason supérieur à Jordan. Non, mais là par contre, on peut pas vous laisser dire ça, les gars. Ah non. Jason supérieur à personne, supérieur à Chris Paul peut-être. Mais bon. Non, moi je pense pas qu'il a. Je pense pas que c'est du bluff et tout. Hein. Je pense qu'il est vraiment mais c'est mal. Pas du bluff. Mais. C'est... En plus, il s'est fait mal. Il a... Comme il disait, il a joué. C'est un des plus gros temps. Mais non, mais moi je suis moi je n'entends pas ce que tu dis. Moi c'est il y a moi j'ai alors vu Beckenbauer. Jalen. Mais Jalen il est nul. Jalen il est là trop mal joué. C'est un il a un champignon dans sa tête. Ouais. Il a un bolet dans son merci cerveau. Merci Karim pour les 50e. Merci Karim. Ah ouais non, là pour le coup Jalen Youyou, il fait un contrat. Youyoui. Ah mais là je suis en 3-2 si je vais là. Jalen Puck. Jalen et le coach, ils sautent là. Jalen, Jason, le coach, Brad Stevens. Et puis j'ai encore 2-3 noms sur ma liste. Ouais, mais. Il peut pas sauter, il est en contrat. Ouais, ouais. Et ouais. Madame connaît. Voilà, Madame connaît bien le basket. Voilà, la femme a toujours raison, ça, c'est vrai ça. Hier, tu déjà des bêtises un peu. De quoi? Pourquoi j'ai dit des bêtises? Sur rien, je rigole. Bonjour. La petite casquette. C'est la mienne maintenant. Ouais. Super. Ça fait super plaisir. Alors, ah j'ai vu que les Suns ils avaient. Ça y est. Non, c'est les Suns ou les Sixers. Il y a une des deux. C'est non, Sixers. Nick Nurse, Sixers. Les Sixers qu'on recrutait là. J'hésite entre les. Ouais. La casquette invisible. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai, elle est verte, vert sur vert. Ça commence par une casquette, puis c'est toute ta vie qui lui appartient après. Putain, ça suffit, et ça te, c'est ça te fait vrai. Et ça te fait rire en plus. Oui, ça me fait rire, mais c'est pas vrai. Bah ok, c'est plaisir. Je lui vole pas ses suites.
Je lui vole pas ses t-shirts sans forme là, comme celui-là. Là, je lui vole pas. Tous les trucs beaux, par contre, tu voles. C'est vrai. Non, bah, juste ta casquette. J'ai pas volé grand-chose. Hein. Je t'ai volé. Ton cœur. Cœur. Oh là là, l'année. Let's go. Let's go, la disquette. Petite disquette en même temps. On lui met des petites disquettes au gars là. Au gars, oui, bah bisous. Moi aussi je vais aller gueuler là. Voilà. Ah bon ouais. Bah, super. Oh, triple speed. Tu lui as jamais tapé un t-shirt. C'est. De... Ouais. Je lui ai tapé. Si, je lui ai tapé une fois un t-shirt pour dodo. Et c'était un t-shirt S. Je pense qu'il lui va plus. C'est quoi d'ailleurs ce t-shirt? C'était un t-shirt de. Bah encore. Il me va encore. Il me va encore très bien. Tu l'as jamais mis. Je l'ai pris dans ton t-shirt de là où tu vas jamais. Bisous. Bisous. Bon, il y a deux scouts. Ça fait chier. Est-ce que je veux faire un deuxième scout? Je pense que je dois refaire un frondeur à un moment. Est-ce que je ferai pas à gauche? On va faire à gauche. On va faire à gauche. Salut Deptra, on joue Rome. On joue la Perse pour les débutants. Et la Corée, c'est pas mal aussi. Si t'as le même problème que moi, t'en prends pour 30 ans. Ouais, ça me dérange pas, mec. Elle est formidable, ma copine. J'ai eu 6 relations dans ma vie. C'est incroyable le jour et la nuit que c'est là. Incroyable, je vous jure. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une relation de couple comme ça. Si vous êtes déprimé par rapport à ça, à vos rencontres, aux gens que vous, avec qui vous partagez, vous avez pu partager votre vie, vous avez été déçu. Ah non, mais... C'est fou. C'est fou. Bah ouais, c'est trop bien, j'espère que ça vous a... J'ai rencontré il y a 2 ans. Voilà, et j'avais rencontré la relation avec qui j'ai été plus assez tôt dans ma vie. Vers 19 ans. Et ça s'était mal fini, pas très bien continué et pas si mal commencé. Après j'ai eu une petite relation à droite à gauche. Avec des filles plus jeunes, avec des filles plus âgées. Des filles qui avaient 19 ans, avec d'autres qui en avaient 50. Non. Non plus. Non plus. Ça n'a pas... Ça ne change rien, l'âge, en fait. L'âge, pfff. Rien à foutre. C'est vraiment dans la tête que c'est important. Hein. Ah, ça, le first meet, ça j'aimerais bien. On va taper ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Pemlock? Ah, maître Arcane? Ouais, on va faire amitié avec Ily. Comme ça, on pourra tuer. Non. Oh. On va le faire. On va faire une goal platform co hard, je pense. On a une bonne quête. J'ai pas le first minute, ça me fait chier. Prochain tour, je voudrais bien acheter une petite case. Ouais, les rencontres peuvent prendre du temps. Et ça peut arriver dans n'importe quelle situation, juste bah faites des trucs dans votre vie. Si vous faites rien, il y a zéro chance que vous rencontriez quelqu'un. Normal. Ça c'est top, hein.
C'est top. Pourquoi? On va peut-être réussir à faire travailler du bronze. Si on arrive à tuer encore deux unités. J'ai des doutes, mais bon. Et on va aller là directement. Par deux de là, ou juste à côté ici. On pourra mettre peut-être des zones indus là. Des opidum. Russie fait faire les deux régions, tu conseilles quoi, nourrir le monde ou Coral? En fonction du terrain, mais 99% c'est nourrir le monde, Picasso. En termes de diplo, c'est quoi les règles de FFA? Pas de DM. Bon. Pas de DM entre les joueurs. La Perse, de Max. Ah bah j'ai les deux Français à côté de moi. Bonjour Insane. Alors. Non, j'ai vu en palo d'abord. J'ai vu en palo. Salut Ragaden. Pas fou ce spawn, je suis sur une 3-2 quand même. Qu'est-ce qui assure qu'il n'y a pas de DM? Rien. Rien, tu peux très bien DM les gens. Ah mais c'est lui là. 37 balles, oh, c'est bien. Ah le double carrière ici est pas mal. On va se mettre sur un 2-2, on a une 2-2, une deuxième 2-2, c'est ok. Et là on a sûrement un petit cheval. On a sûrement un cheval ici. Je vois pas pourquoi il y aurait rien sinon. Alors 5-2, 3-2, lui... S'il n'est pas sur du mercure, il est sur de l'olive. Donc il y a sûrement une cité état bleu dans les parages. Salut Bailey. J'ai payé avant, c'était énorme goal. Ok. Énorme goal. Oh, first meet de Jeru, pas mal. Il y a sûrement un camp barbare dans les parages ici. On va acheter ça. J'aurai pas le travail du bronze, j'imagine. Mais si on voit un autre barbare, peut-être qu'on peut sur le tempo. Il nous faudrait 5 tours. Des belles bananes, chez l'ami. Très très belle B2 hein, sur la 1-2. Bon, c'est là où il doit aller normalement. Alors moi, ça me fait chier évidemment parce que j'aurais bien voulu mettre une ville dans les parages. J'espère qu'il va essayer d'économiser le plus de place possible quand même. Zoroskov avant. Faire ça. On le trigger, on lui demande de venir. Il va nous taper. On va se remettre dedans là. On va faire commerce à l'étranger, puis après. Ouais, j'ai merdé. Ouais, t'es bien que je sorte ma route là. Salut Timo, tu vas bien? Qui sont les merguez? Les merguez, c'est les deux jets. Oh la vache! Alors, 4 tours. Est-ce qu'en 4 tours, on arrive à tuer ça? On pourrait aller chercher les chevaux. Ça a l'air d'être compliqué quand même. Hein. On va aller se mettre en haut ici là, je pense. On n'avait pas vu, mais il y a une 2-3 là.
Merde, le scouting. C'est une montagne qu'il y a ici, là. On est en époustouflant 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça semble, hein. Merde. On va aller par là-bas, à droite. Ouais, j'ai fait un monument. Ouais, bah je fais ça, ouais. On relance un colon derrière. Ah. Allez, on va essayer de booster travail du bronze. Allez, allez. Je pense que le camp barbare il est pas loin. On va sûrement peut-être changer la carte. Il faut qu'on économise notre goal. Est-ce qu'on a du goal sur notre land? Pas beaucoup. Ok, je vais passer par là. Ici là. Ok, il est pas là. On va se mettre ici sûrement. Peut-être là. Oh, c'est du Monster Grid ça. Bingo. Bingo, j'ai déjà deux alliances. Il y a des bons starts hein, dans les games, j'ai l'impression. Et là, je pourrais aller là. On a Belopidoum encore. Vingol, je pense que je vais mettre la carte prochain tour. Il y en avait un troisième là. Oh, c'est terrible. Alors on se met où? On peut plutôt se mettre là. On peut se mettre là. Je dois faire travail du bronze. Hein. Peut-être que je vais pouvoir tuer. Ah, je pense que je meurs avec ce frondeur. Trois tables de guerrier. Bonjour Armosus. Ça aide nous et l'Edge. 20 HP. Lui il meurt pas. Il meurt pas, mais bon. On va tempo, hein. On va se mettre là. On va l'explorer tranquillement vers là-bas. Ah mais putain! C'est déjà chaud ce game. Sonage qui a été fini. Bien joué de sa part. Normalement prochain tour on va pouvoir tuer ça et peut-être qu'on pourra tuer ça. 42 goals, on économise tout. Donc c'était quoi? C'était grosse goal, énorme goal. Yeah. Pas de chevaux là, double fer là.
C'est bien les gars, je suis quand même fier de vous. Il y a du fer ici. On a un bel Oppidum encore. Ici, bel Oppidum. On va pouvoir le mettre là sur le plus 6. On a un plus 4 ici. Comment on fait pour là? Ici, c'est ici là. Ok. Je suis de la cape, il est où? Allez, le petit frondeur. Douze sur 19, mon âge d'or. Faut qu'on aille travailler son fer. Où est-ce qu'on va travailler son fer? Alors, faudrait que je pose mon Oppidum ici. Faudrait que j'achète ces deux cases. J'ai pas d'autre fer plus proche. J'ai pas d'autre fer plus proche que ça. Ah, il n'a pas été posé là. Dommage. Hein. Artisanat prochain tour et on va sortir des battes partout. C'est important le fer, ouais, c'est important le fer. Construire une mine de fer, c'est dans notre Eureka, ça nous sauve 5 tours, un truc comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup. C'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. C'est juste pour notre Eureka qu'on veut faire ça. Vraiment pas de chance. On a spawn où? On a spawn là? On a spawn là. C'est pas de bol, hein, putain. Tu sais quelle civilisation n'a jamais été éradiquée par un virus? Quoi? C'est-à-dire que toutes les civilisations ont été éradiquées par un virus? C'est obligé d'avoir une mine de fer avec la gold près du spawn. Bah c'est pas obligé mais c'est beaucoup mieux quoi. Pour pas dire essentiel. 59 du côté de Bingo. Au score. On va continuer de régène. Premier empire, marrant. Ah, on peut passer là peut-être. Allez, nickel. On a un petit promote en plus. Ici, production, on met les bats. Et... ouais, de l'agro en plus, je suis d'accord. Ici on aura besoin que d'une seule case à acheter en vrai. Donc ça, ça sera bon. Donc ça, il nous faut 25 balles. Là, il nous faudra 40 et 40. Et là, il nous faudra 0. Donc il nous faut encore 80 balles. Ça se fait. Il faudra que je vais devoir tuer ça pour que le bâtisseur puisse passer. Ici, il me faudra une case. Donc ça me fera encore 30 balles en plus. Je leur demanderai des délègues. Et on a ce camp barbare à récupérer. Vas-y. Oh mais c'est quoi ça? C'est l'Egypte ça, juste à côté? Ayutthaya, place de Gouv. J'ai peur de l'envoyer en fait. Il y a toujours le barbare. On va prendre la prod.
Quoique, non. On va rester sur ça. 40 balles. Une Caillou Taïa, t'as oublié la promotion du scout. T'as complètement oublié la promotion du scout, Gaston. Dieu de la guerre du pillage. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On a un cheval en range, un deuxième, un troisième. On a 4 carrières, 5 carrières, 6 carrières. On a 2 fers qui seront travaillés un moment. 2 chevaux, 3 chevaux. Il est en train de faire des trucs ici, lui. J'ai besoin du camp, vraiment. Dieu des artisans ou pas? Les cailloux... Je pense que Dieu des artisans est un peu mieux. Est-ce qu'on a autre chose? Bon. On refait un bat. Là, normalement, en plus, il me voit pas, donc... Normalement, il me voit pas et normalement, il doit me taper. Faudrait que j'aille scouter un peu ça, au cas où, quand même. Bingo. Bonjour. Bonjour, Onlyjou. Eh, normalement. Donc 5 tours pour ça. Ouais. Je pense que je vais bien écho. Il va me falloir vraiment cet argent là aussi. Ça, ça me fait chier. Et normalement il me voit pas. Hein. Normalement il me voit pas. Il peut pas me voir. Il est sur du plat, il y a une forêt trop au-dessus de lui là. Normalement il tape juste mon guerrier. C'est chaud hein. Il y a une sif collée à l'Egypte. Normalement, il doit trader avec l'Egypte. Avec Koumazi. Le truc qu'il doit faire. On avait quoi? C'est quoi les rename? C'est quoi les rename? Vite! Les rename! Pas les rename. C'était mes noms de qui pour Yeli? Roscoff! Allez les barbares, c'est fini, putain. Ok. Roscoff. Oui, il y a des mondes où je fais des villes sans eau douce. Bibrax, qu'est-ce que c'est? C'est l'Union. Ah non, il y a l'énorme goal déjà. Bon, on a récupéré les sous. C'est pour ici. Hein. Prochain tour. On devrait pouvoir avoir le Reka, donc on va pouvoir poser nos trucs. À certains endroits, on va pas tout prendre. On va travailler à petite 3-2, quand même.
3-3, pardon. Prochain tour. Travailler ça, ça. Il va falloir des sous ici. Je suis premier à l'avoir celle-là. Ayutthaya, hein, ça me dit de fou. Ça me dit de fou Ayutthaya. On va mettre un sim ici, non? Mettre un sim là. Je pense. Ok. Qu'est-ce que je prends comme titre de gouv? Il y aura un Moksha, il y aura un Magnus évidemment dans la cape, je pense. Allez. On n'a pas l'argent pour tout pour le moment. Allez, je leur demande la petite délègue. On va faire ça pour faire une manœuvre nationale en deux. Yeli, merci mec. On va partir équitation directement. Et donc du coup c'est quoi? C'est cette petite case que j'ai besoin. Oh non, deux tours ici. Pas ça. Pas ça. Ici, ça sera bon. On va scouter un petit peu vers là-bas. Pas ça. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Bah ouais! Mauvaise case aggro, là. On a une petite 3 ici. On va vouloir... Prochain badge, j'imagine. Là, on a deux charges. On va les utiliser pour les deux pierres. On n'est plus ami avec l'autre. Ouais, on va chop ça ici. Et pas de plus 4 de l'autre côté. Lui il va aller en bas. Ok, ok. Toi tu vas pouvoir faire une petite mine. Oh, minas ici. Ça fera un plus 5. Est-ce qu'on attend prochain tour? Oh! Formidable. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on chope ou pas? Pas de chope, anyway. Qu'est-ce que c'est que ça? Angleterre de Warnoninger. 21 sur 19, son âge d'or. Hop, et ça, ça fait une plus 5 avec la mine plus la ressource strat. Oh là 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 là, formidable. Ok, petite place de gouv.
Ah, ici, pourquoi pas. Là, de l'autre côté. Là, c'est pas terrible en vrai. On aurait vraiment plutôt que je la mette là. On est à 20 de prod. Pour one turn, ça. Ouf. C'est un peu dur là, les gouves. Moi je voulais ça, ça c'était sûr, parce que j'ai beaucoup de chops un peu partout. Est-ce que je mettrais pas la place de gouve dans la B2? On a encore un petit peu de temps pour le prochain gouve. On va récupérer ça avec l'opidum parce qu'on a le cheval. Dix tours pour ça, bon. On va scouter tranquillement. Jardin suspendu déjà fini. C'est très tôt dans la game en vrai. Alors des petits chops de tout et de n'importe quoi. Ou alors, la place de gouffre dans la B2, comme je le disais. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait dans la B1? Sûr, vous savez. On essaye de récupérer Koumazi en même temps. Ok, on va faire ça. Ok, on va faire ça les gars. Et donc du coup, on met juste un Magnus au chop. Et c'est où? On va se faire ce monument. Et c'est à Utaya. Donc du coup, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Colisée B1, exactement. J'ai du stack de prod. J'ai 32 stacks. 32 de stack. On va aller faire ça. Il va nous falloir un campus dans les parages ici. On va faire un bat là. Philopo qui arrive prochain tour, ça va nous faire du bien. C'est quoi nos cases à travailler ici? Ok. Ici c'est correct aussi. Salut Picasso, re. Si tu commences pas dans la tournoi, est-ce que c'est problématique? Non. C'est même plutôt bon. Tu es pas obligé de prendre un Feed the World et tu vas avoir une tempo incroyable avec tes lores. Lolo. Notre start est pas incroyable par rapport aux autres gens dans la game. Que je double tape là? Non. Tu t'en vas toi? Tu restes là? Vas-y, casse-toi.
prochain tour on devrait pouvoir le tuer. On prend une république classique. Hein. On va partir plutôt oligarchie normalement pour pouvoir faire la guerre. Bon. C'est ça qu'il me faut. Oh putain, j'ai encore oublié. Ok. Sûrement t'en refaire un toi derrière. Le campus, le loisir, machin, tout le bordel là. Rien du tout ici. Ok. Et là on avait bien la place de Gouv. Donc du coup on aura Utaya, Soon, 3 tours. Et après les bâtiments en masse. Bâtiments en masse. 3 points d'ingé par tour évidemment. On va pouvoir faire une petite logistique pour la zone Indus. On est à combien? 17, 5 qui est gardé. 5 plus 22. Putain, il faudrait un de prod en plus. On va récupérer un de prod en plus ici. Voilà, 23. Et là, on va pouvoir one turn. Prochain tour, un petit projet pour la logistique. Ah non, je vais faire une tech en plus. Ah si, c'est bon. Il faut que je chope tout assez rapidement, ouais. Les deux carrières, on est en plus 4 ici. On va faire irrigation pour cette petite case-là, le coup des cases. Hein. Le coup des cases. Parce que là, va falloir qu'on achète ici quelque chose pour pouvoir mettre notre campus. Donc c'est pas fait. 11 GPT, c'est déjà ça. On va avoir la possibilité d'aller récupérer Koumézi. On va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça que j'avais prévu. C'est pas ça que j'avais prévu. Ah, j'aurais dû mettre mon Magnus sur un B2 et Chop sur un B2. Au final. J'ai voulu commencer par Empalo, bon. On va se faire un projet pour Imhotep. Hein. Ok, ici on va chop. Ça va aller, ça va aller, on va y arriver. On va arriver, on va y arriver dans la game. J'ai bien voulu faire loisir en un tour là. Exactement, QD a dit la bonne réponse sur le chat. Par rapport à cette fameuse Russie. Allez. Petit opidum là. 24 de prod, 28 du côté du campement. Ni l'un ni l'autre. Si. L'un. Opidum. Ok. Et maintenant, bah on va rien prendre hein, pour le moment. Salle d'audience derrière. Alors, tour 35, on est à 23, plus 19, plus 16, on est donc à 45. 45 plus 23, 78, 68 plus 11, 79. On est à 79 de prod. J'ai bien compté ou pas? Voilà cette histoire.
Oh, access. 164, hein. Il est en guerre avec quelqu'un ? Oui. Hello. 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 Du recorter, c'était quoi ? Projet indu, non, un tour, non. On le met là, notre complexe ? Vraiment ? Est-ce que ça va vraiment plus nous aider là ? 1, 2, 3, 4, 5... Ah, je pourrais remettre une ville ici. En vrai, c'est top ici. Ah, la place de Gouv, hein, Osef. Une place de Gouv gauloise, comme d'habitude. Chier sur un tour. Dégueulasse. Dégueulasse, mais on fait ça. On fait ça. Un petit campus, ouais, pourquoi pas. Partie tradition militaire, on va juste le temps pour encore un petit peu, ça. Nickel. Ressources de luxe en plus. On taffe tout bien. On commence à travailler ça, ça. Deux tours. On aura peut-être tous les points, je pense pas. On doit faire 4 points, là. 4,5 avec le prochain. Des petits caves pour prendre Koumazi, hein. On va faire ça prochain tour. J'ai plus beaucoup de chop. Là, j'ai un chop peut-être sur une 2-2 forêt qui peut être pas mal. Attends, je vais 2 chop ça ici. Ah putain, il me manque un bat là. On va commencer ce petit colon. Beaucoup de cartes à mettre là. Et on va commencer campus. 204 de militaires. Ça me fait un peu peur, hein. Je sais pas du tout où il est. Gouverneur, on attend. Hop. On va remettre un colon au cas où. Mais là, normalement, il y aura un campus qui va pop. On va pouvoir le mettre là-haut. On va pouvoir le mettre là-haut. Est-ce que je le chope ? Ça fait 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours de tempo. C'est beaucoup. Alors que je voulais apprentissage le plus rapidement possible. Et je veux chop Fissa aussi. J'aurais peut-être dû changer les cartes. J'aurais bien voulu faire un bat dans Palo. En Palo, ils ont besoin d'un bat. Ok, je l'ai pas encore.
On va faire ça. Peut-être que je vais me faire avoir. Hein. Peut-être qu'il est en train de settle. Ouais, un petit projet derrière. Ok. Nickel. Oh l'égyptien là. Oh l'égyptien. Putain. Pourquoi t'as pas pris Komasi? Bingo. Franchement. Des cases aux F. Des cases aux F. Un bat ou deux, c'est ce qu'on voulait. Il abuse. Fait au 4. On va le switch, hein, le Magnus là. On va le switch et on va le mettre dans énorme goal. Dans Roscoff, ça sera mieux. Ok, on met son Moksha dans la cape. Ici, on décale ou pas? Là, on a un campus correct. Là, une zone Indus. Ouais, mais bon. On a un Pingala qui est possible à mettre. On va mettre le Pingala. Ou le Victor. On va mettre le Victor ici. On va mettre notre Moksha 2. On fait un colon ici. Là, on attendra avant de chop des trucs. Les habitations ici, c'est un petit peu la merde. Nous en faudrait une de plus, mais on l'a pas. Ou en tout cas, on ne la voit pas. Ah, oui. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un campus, plus 3, plus 3 ici direct. Ça donne envie. Hein. Des plateformes co, un peu partout, vers là. Mériterait d'avoir une merveille dans les parages là, et double... Un apadana là, pour l'olo. Ce serait pas mal hein, en vrai. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a de mieux? Je pense qu'on a rien de mieux. Il va falloir qu'on achète un truc ici. Attends, je voudrais bien faire quand même. Est-ce que je peux faire un petit cheval ou deux? On va mettre quelques battes ici quand même. Il va falloir des battes. Théo qui va bientôt arriver. J'ai toujours un Utaya. On met beaucoup de colons là. On va en remettre un là, j'imagine. Ici, tu seras en range du Colisée, encore une fois. Deux tours, on pourra settle. Peut-être qu'il y aura une ville qui va me deny. Malheureusement. Le bingo a déclaré la guerre à Koumazi. Il a une meilleure tempo que moi. Hein. Il en est où? 5 villes. Un prime, ça aide nous et l'edge. Ah, il y a un plus 4 ici. Merci les gars. J'espère que vous allez bien. Un plus 4 ici que j'aurais jamais potentiellement. On va aller chercher. Il y a un colon qui sort ici. Il y a deux colons qui sortent peut-être prochain tour. On va continuer avec la plateforme co. On va continuer avec le campus ici. On a un bâtisseur qui est quasiment au point de sortir. Pareil pour là. Ça fait chier, hein. On fait quoi dans notre game? Ah, j'ai oublié un truc. Tiens, c'est important. Les ressources, putain. Yali. T'as pas le temps? Pas le temps. Mec, t'as pas l'impression vraiment de me box? Bah non, apparemment non, pour le moment tout va bien. On va se mettre là pour pouvoir mettre le campus un peu bien. Une zone indus ici pour le plus 4. Et là, de l'autre côté. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. On avait dit ça. On avait dit ça, mais ça fait un peu chier. Putain, j'aurais pu mettre la zone indus là. Oh. Je vais avoir une autre plus 4, non? Non, rien du tout. On fait au prochain tour. Dehors qui est là, qui va arriver. On va se refaire un cave en vrai. Est-ce qu'on pourrait aller chercher Jéru? Former un archer pour Jéru. Mais putain, mais... Trop chiant le mec. Je suis pas parti à l'oligarchie, donc je suis pas parti pour faire la guerre normalement. Bonjour Namori. Merci Colga. Très bien.
Féo. On va réenlever la manœuvre. Putain. Je vais pas pouvoir le contest rapidement là. J'ai été chercher tous les émissaires de merde. Moi je fais pas ça moi. Moi je ferai pas ça. Faudrait que j'aille chercher 1, 1, 1. Je pourrais faire ça, en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, c'est bien aussi. J'ai pas le très très bon campus. J'aurai un très bon campus ici. Ok. Allez. On va rechanger la manie, vous inquiétez pas. Quoique, je sais pas, hein. On va y avoir une nouvelle cité-état, on en a vu que deux. Se battre pour Ayutthaya là. Un joueur inconnu a été vaincu. Sans deck. Je vais aller chercher tout ça. Non, je vais pas aller chercher les émissaires. Si. Dites-moi dans le chat, est-ce que je vais chercher les émissaires pour Ayutthaya? Est-ce que vous pensez qu'on peut contest? Je pense qu'on peut contest, on peut être devant, mais... Si ça, c'est Edge of Steam. J'ai lâché ça, mais non. On regarde toutes ces cases. Est-ce qu'on trail ce qu'on souhaite? On a plus 5 d'activité. On va essayer de s'étendre au max. Hein. Orbifone. Hypatie est pas passé encore.
C'est chill la musique. Qu'est-ce qu'on... Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Pas là, hein, je pense. Oh, là-bas, c'est pas terrible non plus. Mais là, il y a une chance qu'il y ait peut-être un salpêtre, on va dire. Colon, on continue. On va en faire un dernier là, je pense. Ouais, un dernier ici, ça sera bon, je pense. Déclaration d'amitié. Oui, non, mais j'ai déjà deux amitiés, mec. Et j'entends ce que tu veux dire. Je comprends. Je comprends, Bingo. J'entends bien. Est-ce que tu m'envoies des routes, Bingo? On voit pas de route, Bingo. Non, on va pas récupérer Comédien d'influence. Ça ne marche pas, ça. Il y a une cité blanche encore au-dessus. Alors, notre ami Justin. On va récupérer tous les émissaires. On va pas récupérer encore Hepatie. En 9 de prod, le one turn, j'ai au moins 49, 55, je vais mettre 55, on va récupérer ça, bam. neuf tours pour l'âge d'or. Pas de bâtiment en fin de construction. Vas-y Bingo, va sur notre cité, toi. Ah. Je ne peux pas pour le moment. Alors, qui c'est qu'on enlève? Est-ce qu'on enlève le summer? Je pense pas, je pense qu'on enlève plutôt la Perse. Hein. Wouah, Max, on est tranquille ensemble. Il va trader en interne en plus, je le sais, donc. On la fait pas, hein. Hein, Max? Ouais. Hey, Patty est passé du coup. J'ai deux émissaires prochain tour, frère. Oh, on est en train de sneaker pour une cité-état, frère. Give up. Non, c'est à toi de give up. Je me mets là. Je pense que je me mets là. On va voir le celui-là qui sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pourrait aller jusqu'à là. On pourrait aller jusqu'à là, hein. Ça nous ferait prendre plus de land. Ouais, j'ai mes petits chevaux là qui font la garde.
Ouais, t'as sûrement un colon qui veut aller là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, je ne peux pas placer de nouveau. Oh putain. Bon, on va aller sur une rivière tranquille du coup. Je sais pas si vous l'entendez, c'est incroyable. Elle est en train de wine fou. Fou. Moulin. Deux colons qui vont settle. J'espère que je vais avoir le score d'air pour avoir le plus de... Ok, je vais me settle dans un... Non, ça va pas me donner le score d'air, ça. Placement de ville agressif, tout de même. On va rester là. Il nous faut des nouveaux bats. Ah, il nous faut des bats tout le temps. Hein. Bats tout le temps avec cette save. Des bats sur des bats. Grand chose à chop ici. Hein. Énorme goal. Mais c'est nul, mais c'est nul. Mais c'est nul, il a acheté ça à la fois. Mais putain, juste pour me griffe ou quoi? 5 tours. Pas d'ana. J'ai oublié ça. Oh là 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 là, je suis trop deg. Rodeg. Droit divin. C'était nul comme play. Il va avoir besoin de quoi là? Il n'y a pas d'Anna qui va sortir? On baise. Je me mets là ou pas? J'ai un +2 qui est là.
Un petit bateau ? Bateau, je peux pas faire de petit bateau. Pas de petit bateau du coup. Petit projet, etc. On va... On est à combien ? On est à 4... 5 tours. Espade. Le Gouv. 3, 6, 9. 10 villes. Et là, on a toujours pas vu ça, en haut. Une nouvelle Wonder. Pas grand chose que je peux faire. Pas de... Ah là. Là, putain. La grande bulle. Ouais, j'en ai un de plus, je ne sais pas comment, frère. J'espère que j'ai le score d'air. Oh! Cette ville là. Qu'est-ce que je fais sinon? Un projet pour le. Pour les écrivains? On revient un peu, mais bon, à un moment, il y a lui qui va scale la game de fou. Et on n'aura aucune solution pour pouvoir contrer son snowball. Et ça, ça va nous faire mal. On a fait son campus plus 3, on n'a pas pu faire son sa place de théâtre plus 3. On pourrait la faire là. Ça fait une plus 3 ça ? C'est une plus 3 si je mets une mine là. Je me déplace un tour, je chop, je mets la mine. Ouais. Ça peut. Et après, il faudrait que je chop la place de théâtre sur le même tour. Ok, je vois ce que je dois faire. 7 de pop, prochain tour. On pourrait essayer de suivre notre site état, mais on est sur un truc. Est-ce que je vais faire une casa ? Bah, peut-être. Là, dans la situation, la casa est très très bien. Avec la carte verte de, sur l'astronomie, là, sur le colonialisme. 4, 8, 9, j'aurais pas le score d'air. Pas le score d'air à cause de lui. Gocho, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on finit pas son tour, Gocho? Parce qu'on est plus dans la game. Je reviens chercher de l'eau. Gocho. C'est le chaton qui rigole comme ça. Bien sûr que c'est le chaton qui rigole comme ça. Et j'ai la porte fermée. Dites-le vous. Oh mais... Je m'entraîne sur l'Allemagne depuis pas mal de temps, mais je n'arrive pas à gagner la dernière difficulté. C'est quoi ton problème, Lolo? Pourquoi on voit jamais de partie d'Allemagne dans les parties HL? C'est une des meilleures cives en FFA, l'Allemagne. Véritablement. Bon, on est tour 50, on va compter ça prendre un peu. 33 plus 20, 53 plus 7, 60 plus 7, 67 plus 43. Ça nous fait 70, 110 plus 34, ça nous fait 144 plus 11, ça nous fait 155 plus 13, ça nous en fait 168. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, 2 de prod de plus ici, ça fait 170. 170, allons-y. On va civil du côté de l'Egypte, du côté de Bingo. Est-ce qu'il m'envoie pas de route, hein? Je comprends pas. C'est des routes qui ont pourtant de la prod, hein? Ouais, bah moi je voudrais bien t'envoyer des routes. Évidemment, évidemment. Moi je suis content d'être ton allié, son allié. Je suis désolé, Max, mais. Max, je suis désolé. On pourra pas rester ensemble toute la game.
C'est combien une bonne prod, t'es 50? Une bonne... Ça dépend. Là, pour la gold, tu t'attends à être à au moins 150. Donc on est à 170, donc c'est ok. Mais tu peux avoir à peu près 200 de prod dans les bonnes games, 250 des fois. C'est incroyable, le dernier montant que je t'ai cité, mais c'est déjà arrivé. Mais t'es avec une Sive un peu plus lambda, t'es avec une Suède. Non, mauvais exemple, actuellement la Suède. Non, en vrai, avec la majorité des Sives, si t'arrives à avoir 150 de prod cumulé, soit en fois ou avec un petit peu de gold, c'est correct. Correct. Je pense qu'il me manque quelques subtilités. J'ai regardé ta vidéo, celle de Malm aussi, ça m'a bien aidé à comprendre comment bien placer les quartiers, etc. Maintenant, c'est bien mieux, mais il me manque encore quelque chose. Je trouve que je galère en science. Et... J'essaie de réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que... Ah, moi aussi, Alliance en externe, nickel. C'est vrai que quand on joue en solo player, quand on joue en divinité, on peut se sentir un petit peu out-tech. Parce que les mecs ont tellement d'avance que c'est difficile de remonter un petit peu la pente. Je te conseille d'essayer de faire tes Eureka au maximum, le mieux possible. Et de rester vraiment dans les bases de civilisation qu'on essaye de vous instruire. Avec le fameux... on essaye de faire des villes, un certain nombre de villes avec la majeure partie des civs à un tel tour. Et on essaye de prioriser la food pendant les 50 premiers tours. Et puis après, on prend un chemin, on va dire, une condition pour remporter la partie. Militaire, scientifique, n'importe quoi, culturel ou quoi que ce soit. Et après le tour 50, on décide que soit on continue de faire de la prod, on essaye toujours d'optimiser la prod de toute façon. Mais est-ce qu'on met un focus véritablement sur la prod et on part industrialisation? Est-ce qu'on va faire un focus sur la prod mais on part à Rodubaï et on va partir campement, ingénieur, général, militaire? Est-ce qu'on va partir un peu en haut, puis en bas, puis au milieu, et partir sur le scaling de science de prod? C'est ça qu'il va falloir vraiment bien savoir par rapport à sa situation, à mon avis. Est-ce que j'arrive en solo à récupérer le land de ce bot-là, avoir des bonnes unités, récupérer les lands adverses après? Généralement, c'est ça qu'on fait, quoi. Ou alors, tu joues la Corée. J'essaye de bien récupérer les scientifiques, mais les scientifiques, je pense qu'en solo, c'est impossible à les avoir, à part si tu joues peut-être en marathon. Sur 8 cibles, je finis deuxième ou troisième, jamais premier. Et ils te mettent une condition de victoire? Ils te font une scientifique? C'est ça le problème? Bah, fais une scientifique avant eux. Et pour faire une scientifique avant eux, faut bien jouer au jeu. Bah ouais, faut bien jouer au jeu. Faut prioriser justement bah, sa food, sa production, comprendre... Qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes d'opti? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre snowball dans la game? Réussir par exemple, tu vois, t'es aux alentours du tour 39, 42, avant 45, tu te dis, bon, je vais bientôt Orfeo normalement, c'est avant le tour 50 que tu dois Orfeo, au moins. Voilà, c'est bien que si tu l'as 45 et puis même 40, tu vois, avec certaines cibles comme le Vietnam, tu peux l'avoir 34, 35 assez facilement. Donc avoir ces bats qui ont plus de charges sur fidélité, c'est un timing qui est important, mais il va y avoir plein de timings comme ça dans la partie. Théologie pour les cibles religieuses par exemple, histoire écrite qui va être un clic aussi important pour continuer de snowball en termes de science, les guildes avec les zones indus pour certaines cibles, droit divin pour la Hongrie, plein de spécificités qui font que cible est un jeu assez profond, mais tout va... tous les archétypes, un petit peu de plan de jeu, vont aider pour les autres civilisations et pour les autres archétypes. Donc du coup, jeu très complet, jeu très très bon. Faut pas chercher guild? Si, si, faut chercher guild pour les gens qui ont des zones indus. Nous, on va aller chercher guild. Là, nous, on va faire droit divin pour notre âge d'or, et après on va cliquer guild pour la bonus de proximité des zones indus. Si vous voulez gagner vraiment une game en divinité, moi je vous conseille de faire une partie sur des modés, avec les mods, hein, BBG, BBS, avec une civ qui domine pas trop mal, donc une map costale, des petits bateaux, et je vous conseille bah, de prendre la Norvège. Ouais, la Norvège, je pense que c'est une des meilleures civs modées dans le jeu. Sur une map navale, tu vas pouvoir griller, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Là, on avait dit qu'il nous fallait une mine. Et on a 4 charges.
Ça sera bon. Et... Il y a le petit Oppidum. C'est lancé. Là, c'est pareil. On voit le chop. Je l'avais pas vu cette case. Bah alors. Est-ce qu'on va pouvoir faire un petit festival? Il faut qu'on récupère l'annonce culturelle, si tu veux. Droit divin de tour. Bâtisseur, ok. Bâtisseur, bâtisseur, oui, j'en ai un qui sort là, j'en ai un autre qui va sortir là. J'ai rien d'autre à prendre, véritablement. Géru, former un archer. Est-ce que tu peux libre passer? Libre passer, ça serait pas mal. Il me faut du scordaire. Il me faut du scordaire. A refusé notre accord. Moi je pensais que Bingo il voulait être allié. Hein. Apparemment, son projet, c'est de ne pas être ami avec moi. Ok. Too late. Oh non, too late. Too late. Oh my god. Oh my god. La Gaule? C'est quoi le truc, la science, 3ème district? On parle de quelle cible? La fin qui est broken, nous dit Gucho. Norvège? Bah, Norvège, effectivement, on manque un peu de science. Début de partie, etc. Mais ouais, ça griffe bien, hein. Mab Costal, le bot, il fait pas grand chose. On a 10 points à faire. J'ai 10 points à faire. J'ai 6 points, on va dire, avec ce que je suis en train de sortir. 7 peut-être avec un spad. Il me faut 3 points en plus. Je vais devoir déclarer à Gocho. À Bingo. À Bingo Gocho. Salut Nicolas. Beaucoup de mecs push médiéval sur un FIFA. Okay.
Oh, please, to move, il nous dit. Moi, je vais faire ça, la petite mine. Ouais, le plus 3 en, supplémentaire, ça nous fera encore un point à aller chercher. Pas obligé de déclarer la guerre à l'autre, là, mais bon. Bah, déclarer la guerre alors que t'as pas d'unité, bon. Juste pour le contrôle de la cité-état, c'est un peu léger quand même. Par contre, je vais pas faire des hommes d'armes sans oligarchie quand même. Je pense qu'il faut que je chope ça, hein, limite. J'ai peur de me le faire voler. Ce serait étonnant quand même, c'est très très tôt. Hein. On n'a pas d'adana dans le jeu. Shitlager. Shitlager. Mec dit le terme. Si je mets un petit chop là, on a plus qu'à 61 de prod. Il me faudrait un chop de 19 avec la carte, je pense que ça va passer. Ah non, je peux pas là. Ici par contre, c'est fou. Salut à Kat. Bonjour Amiro. Tu es une mauvaise personne, Amiro. Je viens de le lire directement. On va faire ça tout le temps là. On va faire de re-lobby. Hein? Allez, petite ferme, en train d'arriver, moulin à eau, on va faire évidemment. Ok, très bon ça. Petit moulin en sup. Alors, il va me falloir quand même. Alors là, on a quoi? On a combien d'écrivains qui sont partis? Alors, écrivain. Un écrivain. Deux écrivains, trois écrivains. Donc, il y en a encore deux. Je pense que ça va à tout le monde. Ayutthaya. Mais quelle merde. Il a doublé sa manie. Il a doublé sa manie. Ah, moi, des trucs comme ça, j'en vois plus depuis belle lurette. On va faire ça rapidement. Ah, si j'ai pas la panana. J'ai pas la panana, j'ai pas d'âge d'or. La panana, c'est ça là.
J'ai choisi le Panthéon Dieu des artisans, regarde. J'ai des superbes chevaux. On va aller chercher le salpêtre. Faut que je fasse de la science maintenant. Puis il faut que je fasse ma petite mine. Il y aura les deux mines, ça sera donc plus 1, plus 2 avec la merveille. Et j'aurai le trigger du scorder. Et là, peut-être qu'on va réussir à récupérer quand même un écrivain. J'y crois bien. J'y crois dur. Et notre empire manque de bâtisseurs un petit peu partout, surtout dans les villes extérieures ici. On aurait dû avoir des bâtisseurs qui partaient du recruteur du côté de Roscoff, mais on a été obligé de faire des trucs. Trop de trucs. Koumazi vers Roscoff. Koumazi vers Roscoff. Ah ouais. Je suis la gueule juste pour plaisir. Oui, on va faire ça. Il a 246 unités militaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il a 460 gold. Il est juste peut-être là pour casser la gueule. Bingo, 6-6-8-1. Vu son early game, vu son score, il n'est pas là par hasard, lui. Bingo, 6-6-8-1. Parce qu'évidemment, des Smurfs, c'est très connu. Irel Gocho. Irel Gocho. Alors, attendez, je vais vous dire. Bingo, 6-6-8-1. Membre de depuis 2016, coréen. Oh, c'est un coréen. En fait, non, c'est juste un coréen. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à communiquer. on est juste... ouais, c'est pas pareil. C'est pas le même langage. C'est pas la même mentalité. C'est autre chose. Gold T5, ça manque de bat. T20, ça manque de bat. T50, ça manque de bat. Campement dans ta gueule aussi. Campement dans ma gueule aussi. Ça me dérange pas trop. Bah j'ai mon campement moi aussi. Bingo. Bingo va me faire la guerre. J'aurais dû le déclarer sur le tour à Utaya avant. J'ai l'impression qu'il m'entend. C'est fou. Et il joue bien hein, du coup. Il a pas eu peur etc. Il a doublé son truc. Il m'a pas déclaré la guerre mais... Il aurait pu pour me dégager le bordel. Là il y a 4 cités éteintes. Putain. Connerie d'Utaya. Non, il faut que tu prennes le DLC. Mouette, le volatile, gamez-vous, point d'exclamation. Vraiment trop nécessaire. Vraiment trop nécessaire, en fait. Petite chevalerie. Bon bah on refait l'alliance hein Max. On fait valoir un petit peu de gueule. Là, on vérifie, mais on est bien en plus 3. C'est qui, lui? Le jaune. Il a fait une Petra. Putain.
C'est pour ça qu'il a fait, qu'il a acheté le l'autre mec. Alors on fait quoi? On fait une petite quoi comme alliance? On a pas les alliances encore. Petit campement de sortie. Je suis parti sur quoi? Chevalerie. Ouais. Construire un aqueduc. Pas sûr qu'on pourra le faire. Faudrait que je prenne cette case là. Là, il y a des cases de forêt trop. Forêt. 52 sur 55. Salut Pyro. Ah mais putain. Mais putain, c'est l'Egypte en plus qu'il a pris, ce con. Mais ouais, ça dégoûte. Eh bien, il a pas eu son général, lui. Il se fout trop de ma gueule. Il fait que ça toute la journée. Rien. Non. On va aller prendre la Venta. Encore un bat. On va essayer de faire les trois archers, on va commencer à faire du militaire un peu. Et agence de renseignement. Hein. Et guide prochain tour est 55 sur 55, nickel. Bien dormi? Non, pas très bien dormi. Non, pas très bien dormi, j'ai eu du temps à m'endormir. Je pense que c'est logique, mais bon, fais chier. Petit ambre. Petit ambre, petit diamant là. Je te donne du coton. Il va falloir qu'on mette son opidum ici. Je l'avais oublié. Et le petit pinceau. On va prendre la cité éteinte. Des belles cases. Ici, plus 31 de prod. C'est cliqué. J'ai cliqué. C'est cliqué, c'est cliqué. Ça ne nous sert pas à grand chose. La troupe commerciale, on n'y arrivera pas. Allez, grande bibliothèque. Allez, de la science. On va essayer de faire un général ou pas? Pas sûr, hein. Le mec a pas été gentil, mais c'est pas le bon timing pour le go.
Putain, c'est pas mon campus et je peux le mettre. Ah, si, c'est mon campus. Je suis bête. Je suis con, putain. Le Magnus, il est où? Il est là. En train de choper ses trucs. On va se faire une petite ferme. C'est bien. Pas de monument dans les villes. On est de la culture sur nos mines. Donc tu fais un bat. Réfléchis. Réfléchis. On va essayer de récupérer ça. Russia Move Scout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a paniqué? C'est quoi le projet là? Dubai Living qui est bien, hein, 76-108, c'est ok. Miami. Salut Newbie. Merci beaucoup mec. Merci, c'est top. J'essaye de vous procurer le plus d'informations possible sans en faire vraiment des tutos formels. Mais c'est assez compliqué. Voilà. Là, on va partir sur le bas de l'arbre, hein, je pense, quand même, non? Oh, un peu chpiqué tir, ça lui aurait tellement cassé la gueule. Allez, je vais te mettre le petit aqueduc. Ça me fera le récap en plus. C'est là qu'on veut. Alors, c'est cette case-là qu'on veut, certes, mais maintenant. On se refout un campement. Et... on pourra faire un truc correct ici. Peut-être Farmco aussi. On va finir le bat. On a combien de bats à finir? On a un petit peu de chop ici ou même pas? On a encore de chop ici mais on a du mal à y aller. 10 de pop ici. On a mis la salle de théâtre. On pourra la mettre là, ici, après. 3 arches. Ouais. Il faut que je le fasse. J'ai mon petit espion qui va arriver. J'ai bien mis Amani dans mon land. Il n'y a pas de bonne cité-état. Hein. On va enlever chevalerie. Ok, Bisheng, on va le tampon un peu, on va voir. Êtes fou, Komazi. On voit, il y a des arbres. Hein. Ah, mais c'est... oui, il me tape. Bah oui, en fait, il me tape de fou. C'est maintenant, en fait.
Qu'est-ce qu'il y a eu en haut? C'est pas Kaboul? J'ai vu un car. Ah non, là-bas. C'est chier ça, hein, les deux chevaliers. Il va alors me piller ça. Oh là, oh les strats. Les strats, les gars. Ça risque de tomber ça. Il va voir son général bientôt. Nous faut une katana Oskov. Un petit peu de goal supplémentaire. Oui, on est un peu dans la merde. Mais
On devrait perdre qu'une ville. Ville pas terrible en plus. Ça va. Les deux unives, bof. On n'a pas ça encore. D'ailleurs, c'est en train de sortir. Ah, c'est vraiment un mauvais timing pour attaquer dans la game et pour qu'on puisse snowball nous derrière. Comment on pourrait faire ? Ici, je vais pouvoir lui faire peur un peu. Un petit arbala, ok, ok, ok. Aïe, aïe, aïe. What do you mean? Zouer. Non, non, je voulais rien de spécifique, Nicolas, pour la Gaule. Et c'est les gens, ils ont voulu la Gaule. Une bonne cive. Il faudrait une petite ressource de luxe en plus. Je pourrais peut-être. Il va bouger ça sûrement en first move. Ah non, pas du tout. Ah si, il l'a fait, mais j'avais pas vu. On a oublié une carte. Manque du fer. On va aller faire la ressource de luxe. Ah là là, pam pam. Campus, pourquoi pas. Il a tapé le chevalier là. C'est un ouf en vrai. En vrai, c'est un ouf. On va le faire reculer celui-là.
Ça va bien la musique pour le moment. On est d'accord. On va faire ça. On va faire l'armurerie derrière. On a tué le chevalier. Ça, ça aura un plus 3. On va attendre. Pas de bombe d'opinum. Allez, 15 tours le bat. Nickel. On se régène tranquille. En fait, je pense que ça tombe plus. Je pense que c'est bon, ça tombe plus. Tranquille, en fait. Tranquille, c'est un grand mot. Ouais. Un trèbe ici. Éducation qui est finie. Après Newton. Ok, ça tombe. Parce que le mec, il a bien tapé aussi. Une cité ta blanche. Faut que je fasse deux univers. Ouais. Faut que je fasse quoi? Faut que je fasse plein de trucs. On a un petit plus 11 déjà à récupérer. Et il me faut toutes ces cartes. Hein. Bah ouais, ça la vérité.
On pourrait faire un truc là. Pas vraiment. Hein. J'ai enlevé le chevalerie, j'étais en train de faire un chevalier ici. C'est terrible du coup. Oh merde. Mes cases. Ça va toujours, mais c'est chiant. 189 militaires, putain. Alors je tape ici. Il pourrait venir sur moi là. On a la 2-2 là. Mais moi j'ai pas de général moi. C'est ça mon problème aussi. J'ai un peu oublié le général. Non, là il s'est fumé là le mec. Il a pu faire ça mais putain. Non mais... Je peux pas faire ça, putain.
C'est chaud ça. Faut que je prenne des positions. Il a sûrement pris ça hein, de base. Ok. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ?
Je vais pas pouvoir sauver le petit Arba. Il est bien, hein, 117, 118 là. Plus de prod, mais bon. Il a décidé qu'on y allait en mid-game, donc on y va en mid-game. Là, je vais sûrement pas réussir à swap. Ah, la game, c'est juste essayer de le baiser maintenant, le mec. Petit mousquette qui sort, roi des éburons, mais sans oligarchie. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire de unité comme ça. Mais je suis pas sûr que j'ai fait un move légal là. On a rien vu, mais je suis pas sûr en fait. Parce que comme j'avais une autre place en fait. Chevalerie, contrat de vassalité, il me faudrait ça. Hein. Pas beaucoup de fer. Hein. Enlever chevalerie. Plus 13 de l'activité. Kaoka. Kaoka intéressant pour moi. Parce que j'ai des plates farmco et j'ai pas beaucoup de sous. Donc je vais mettre quelques émissaires tranquillement.
On avait quoi déjà? Contre la vassalité. Imprimerie, ça tape un peu mieux. C'est chaud. Mais putain. Il est bon le type. Bon, c'est tout. Ah, j'ai pas du tout respecté, j'aurais du statut de Zeus, etc. Mais bon. Je vais me refaire la même. Ah non, là c'est le rien de l'enfer. Là. Faut qu'on arrive à faire un truc par rapport à ça, mais bon. Putain. Je sais pas s'il y a une cité état bleu derrière. Va falloir qu'on reprenne notre Atomako Sekoumazi, c'est chaud. C'est chaud. Je pense qu'il peut pas trop passer. Hein. Je pense qu'il s'épuise de fou, moi. Siraz, putain.
J'ai les deux étoiles. Ah, moi aussi. Roscoff de pop. Ça me fait pas rigoler. Si t'en sens à récupérer un moment. Il a moins de militaires que moi maintenant. Il a moins de militaires que moi maintenant, mais bon. Est-ce qu'elle va réussir à me tuer ça? Je pense pas. Là, il va pas pouvoir réussir à Shift Hunter quelque chose. Il va vouloir me tuer ça. En vrai. C'est sa seule solution. Voilà, il reprend la ville encore une fois. Je pense que ça serait Gumball ça. Mais merde! J'oublie le up. J'avais le up, j'oublie le up. Évidemment. Allez, encore une petite, un petit gouverneur. C'est chaud, ça devient main. On va essayer de faire top 4. Je sais pas où on en est, mais... On est top 5, là. Tu es le mec en face de moi, hein. Oh. Mettre une unité ici encore. Je refasse des chevaux ou quelque chose comme ça, je pense. Chevalerie, grande armée. Putain, j'ai plus ma place de gouve.
Wow. On tape bien sur ça, ouais. C'est ça mon premier shot? J'ai oublié de tirer avec l'autre. Et putain. Aïe aïe aïe. Ah c'est terrible pour moi mais c'est normal. Oh là là, j'ai même pas vu ce move là. On piche hein. Moi qui voulais être tranquille aujourd'hui. Balistique c'est 2. Si elle aurait pu suivre, mais elle a décidé que c'était ça la sa game quoi. Aïe 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 aïe. Quelle déception. Quelle déception, et il nous faudrait des armes de siège. Hein. On va avoir un peu de chance quand même pour réussir à aller sur nos techs. Oui, oui. Envoie bas des routes. Là, t'as pas un petit encens, je vais le faire. Le sel. Un petit sel. Petit sel, Yali. On n'a rien à aller choper. Pff, top 5. Ouais, un mort. Bingo, il est derrière, mais bon. Il est derrière, mais bien, on a bien défend. Il a plus grand chose. Hein. Il a plus grand chose, il me faudrait l'up de balistique. Faire des chevaux, de cavalerie. Cette bombarde 2 étoiles là. Oh là, le cuirassier là. Pas plaisir à voir. Hein. Alors que normalement c'est fine, hein, je suis la goal. Fais chier. On a plein de trucs en un tour là. Là, il pourrait me kill un peu. Il faudrait vraiment une autre ville là, hein, pour le tampon. C'est trop nul là d'être dans cette situation, dans cette configuration. Et...
me baiser comme ça. Hein. Il y a toujours statue. Hein. Est-ce que je tape pour level up un peu? Dangereux. Hein. Nyang 230. Oh non, mais... Ouais, c'est fini. Irel Vicky, c'est pas Vicky, c'est moi. Ah, ça fera un quoi? Ça fera un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fera un top 7 sur 10. C'est une très mauvaise perf. ...17h40, est-ce qu'on a le temps de refaire un lobby? Pas sûr. C'est bien du côté du russe. Il doit faire ça, hein. Je suis en guerre depuis un moment, il va prendre un land free, il se rapproche de la condition de victoire aussi qui est en train de s'établir. Enfin, pas de la conscience de victoire, mais du mec qui snowball aussi de l'autre côté. Moi, j'ai voté, moi. Pas voté ? Comment ça, c'est fini la partie ? Ouais, je demande d'abandonner. C'est peut-être la première fois que vous me voyez ça, faire ça. Et effectivement, je... Je décide d'arrêter la game, je pense que je vais me faire raser du côté du russe, j'ai pas grand chose pour pouvoir défendre des cosaques sur le front nord. Il y a toujours cette guerre là avec des cuirassiers 2 que je suis en train de stall mais à moitié parce que j'ai déjà perdu 2 villes donc non. Pas bien joué. Pas bien joué, j'ai pensé qu'on allait pouvoir snowball, prendre un petit peu de land, j'ai sous-estimé le militaire qui est en train de monter, le général, machin. On est 3 si je dis pas de bêtises. Azagui Ronron, moi-même, et peut-être Softstyle pour le quatrième. Elle est complètement irrationnelle. Oh. Ouais, il a joué aux jeux vidéo. Il a joué aux jeux vidéo, le mec. Il a voulu faire un peu sur le mec avec qui il s'est fighté à Utaya. On a mis les deux amenis en même temps, je pensais qu'il allait plutôt prendre Koumazi, après il a pris Koumazi avec les chevaux. Il a été un peu meilleur que moi sur l'ensemble de la game le mec. Donc c'est normal qu'il... Voilà, qu'il... Pas ça. Sissi Rome.
Le coréen il comprend pas ce qui se passe. Bingo go. Ils sont en train de décider, ils sont en train de... machin. Oh, désolé, Nudisoft. Il allège passe. Ah bon? Bonjour, architecte. Dur dur d'être supporter des 6 après cette nuit. Ouais. Je commence aussi à penser qu'il faut tout péter pour repartir sur un autre projet. Moi qui voulais donner une nouvelle chance aux deux Jays, c'est fini. Enfin, t'es d'accord un peu avec moi? Jason, c'est pas l'âme d'un leader tout ça, Jason. Un micro-ondes à la place du cerveau. Rebond plus. Et je passe, ok. Ah merde. Hop, hop. Et c'est bon, on a mis les petits murs dans les villes, histoire que le bot ait déjà des murs quand il va se défendre de la Russie. Et